Salut tout le monde, on se retrouve directement pour l'épisode 6 de notre aventure féerique, fabuleuse, mélancolique sur Valhalla. Donc on s'est arrêté juste après la belle cinématique et on devait aller parler à Kiara. Eivor, je suis heureuse de Ok. te voir. Puisque tu es encore là, j'en conclus que Flan et Barid ont trouvé un terrain d'entente. C'est le cas, oui. Ah, et à quel point ton charme a-t-il influencé leur discussion? J'ai simplement montré que j'étais un homme du Nord digne de confiance. Cela ne s'arrête pas là. Tu as assurément fait impression. Je pense que Flan t'accorde beaucoup de crédit. Et que m'accordes-tu, toi? Tu es plutôt direct, non? Disons observateur. Nous devons gagner la sympathie du plus grand nombre de royaumes possible. Selon Flan, tu peux nous y aider. Je le peux, oui. Les rois irlandais ont fait parvenir leurs doléances à la cour du grand roi, dans l'espoir qu'elles seront entendues. Elles vont de querelles mesquines à des questions beaucoup plus graves. J'ai pris la liberté de les examiner, et de retenir celles qui pourraient aboutir aux meilleures réponses. Je vois. La récompense sera à la hauteur du service. C'est à peu près ça. Garde un œil sur les pigeonniers. J'y laisserai les tâches les plus importantes. Aide à les résoudre. Et les rois nous fourniront les hommes et le matériel nécessaire pour envahir l'Ulster. Ok. Eh bien, c'est pas mal cette histoire-là. Hop, si vous voulez lire, mauvaise touche. On va ressortir, parce qu'il n'y a qu'une seule sortie apparemment. Ok. Faut que je monte mon influence. Eh bien, c'est que ça, on va le faire. Hein. Demande royale. Recevez des matériaux de comptoir marchands et des marchandises irlandaises en aidant des rois irlandais. Ok. Dans ce royaume, ce sont des objectifs facultatifs transmis par les rois. Ok. Moi, j'accepte tout, je suis un malade. Faut que j'aille tuer des bandits. Parfait. Alors, ça se trouve où? Vous savez quoi, cet épisode, on va aussi s'occuper des petites richesses, là. Juste regarder si je suis full, j'ai encore le temps, parfait. On va d'abord aller récupérer ça ici à 2 €. Et ensuite, on ira au repos des Unail. De toute façon, mes quêtes sont... Ne subissez aucun dégât, pas de mort inutile. Comment il peut savoir si... si je vais mourir, si je vais prendre des dégâts? C'est quand même bizarre. Bon. Bref. Allez, saute Eivor. Ouais, sur le toit. Ok. Je me suis pris la branche. Allez, go. Bon, bah cet épisode, bah on va rester en mi-2. Pour s'occuper de toutes les petites quêtes. Les quêtes annexes et surtout récupérer de l'influence. De par les... Nos bros. Irlandais. Bon. Non! Vous êtes descendu, trou de balle! Oh, je suis si lent! Fais un effort aussi, Eivor, c'est chiant. Ok, bon ça c'est fait. C'était pas que c'était un peu relou, c'était quand même giga relou. Allez go. Petite brasse du matin, on n'est pas trop mal. Ouais, c'est d'aider les rois au maximum. Ça va nous prendre une bonne partie de l'épisode, je pense, d'avancer à fond sur la région de Mi-2. On a pas mal de choses à récupérer. On va le faire de suite.
Bon, en tout cas, j'espère que vous ça va, que vous passez une bonne semaine. Je sais pas trop quand cet épisode va sortir. Je pense on doit être allé autour du 10-12 juin, je pense. Donc, techniquement, le couvre-feu a été reculé. On passe à 23h, c'est beau. J'espère que vous allez profiter à fond des couchers de soleil, des barbes contre potes. Faites-vous kiffer, c'est le principal. Moi, clairement, j'ai pas me priver. Voilà, la belle petite cascade. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Une petite armure. Coquetier d'objets. Récupérer tous les objets. Ok, j'en ai combien? Inventaire. Il me faut 5 objets, une nail. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Ok, j'en ai 2. Oui, ok, c'est bon. C'est bon à savoir. On reviendra quand on en aura 5. Je pense que c'est une belle partie d'une armure méga stylée, hein, j'imagine. De toute façon, c'est forcément ça. Donc on va aller récupérer notre deuxième. On va prendre le lynx. S'il est là. S'il veut bien daigner venir. Salut Roger. Ok, let's go. Ok. Pas votre temps les gars. Ah, c'était bizarre ce truc là. Ça devait être des druides. Ouais, je suis un... Non, c'est bon. Ok. Des petites vaches. Ça nous intéresse plus que toi. Il y a l'air d'avoir un truc sympathique ici. Un peu plus à gauche. Alors... Ok, c'est un hôtel d'offrande. On va checker ce qu'il donne. Il y a vraiment une entrée là? Oh les gars... Alors c'est pas moche. 5 esturgeons. Ça faut vraiment que je pêche là. Mais c'est quoi ces quêtes à la mort moelle-neu là? Quel enfer. Ah, j'ai celle-là à faire aussi. Ok, ben on va aller pêcher hein. Je pense que je le ferai en off parce que c'est pas hyper intéressant en vrai. Je vais pas vous infliger ça. On va prendre le pang. Ça va, arrêtez d'avoir peur, c'est qu'un lynx. Ok. Salut tout le monde. Encore une carte de trésor. Ah non, c'est un signe. Une terre, le site cérémoniel des grands rois d'Irlande. Page du cycle en deux. Ok. Ça s'est récupéré. Et maintenant on se concentre sur les quêtes. Je crois que c'est sur l'autre rive. Bon, j'aurais pu prendre le pont, ça aurait été plus rapide. Bon, les esturgeons, en vrai, bon, la pêche est pas super intéressante dans le jeu, je vais pas vous le cacher. Mais je vais le faire. De toute façon, je vous ai dit que le DLC, il serait poncé jusqu'à la moelle, donc là-dessus je tiendrai parole. Je ne dois pas être vu par ici. Oups. Ah mais je vais venir avec mon équipage en fait. Ne vous faites pas détecter. Ah bon. Ah bah ça change tout là. Bon bah let's go être discret alors. Comment je puisse faire?
Je pensais que ça me détectait pas, mais... Maintenant, ça serait bien pas subir aucun dégât. Je suis un peu déçu, je vais pas vous le cacher. Et là en plus il me faut mon équipage. Donc il faut que je quitte les lieux et que je revienne avec le bateau. Y'a pas un truc en haut? Non, ok, je pensais. On va se mettre de l'autre côté. Ok. Voilà qui est fait. J'ai gagné que 60 parce que j'ai pas réussi la première condition. En même temps c'est un petit peu ma faute. J'aurais dû y aller à terre, ça aurait été plus simple. Bon, allez go faire ça. Pour récupérer les matériaux. Tech ! Allez go ! Regardez les collègues. Hé hey, par ici. Non. Oula. J'ai cru que t'allais de Keblo, toi. Il est temps de regagner le navire. Ok. Bon, ça, c'est fait. La deuxième mission, elle est là. Et la troisième... Je l'avais ping tout à l'heure. Il y en a une là. Ah oui, sur l'abbaye. Ok. Niveau des matériaux, on est pas mal, mais on a encore un peu de temps. On va aller faire celle-là en premier. Pas de mort inutile. Donc faut pas forcément que je tue tout le monde. Sauf si je dois nettoyer le camp à ce moment-là. On va voir ça. On va essayer de le faire le plus proprement possible. Bon, il y a un mystère que pour l'instant je ne peux pas faire. C'est pas très loin. Expédier la mission, ça devrait aller assez vite. Hop. Alors, ça doit être dans le camp là-bas. Et récupérer les joyaux. Voilà. On va essayer de le faire sans tuer trop de monde. Au final, où sont les joyaux ? En plein middle. Est-ce que si... Ah non, si j'enlève mon arme, j'ai quand même la... Mais c'est relou, mais comment il m'a vu? Bon tant pis hein. Récupérer les joyaux. C'est bon, on a compris. On a compris, vous allez me tuer. J'ai tué personne. Ah si, je l'ai tué. On va go les finir. Hein. Non, j'y suis. Bon, et bien, c'est un échec total. Je suis en forme, là, sur la nullité. En haut, ouais. Il y a un peu de monde. Non, non.
Laissez-moi tranquille. T'es vraiment en train de monter là? Allez, monte. Ok, bah échec total, hein. Sacrément naze ce que je viens de faire. Bon. Et bah barons-nous. Ouais, il aurait fallu que je le vole, quoi. Mais bon. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, j'espère. De mon nouveau exécrable. Déplacement rapide impossible, indisponible avant d'avoir mené. Temps à tuer. Pourquoi je peux pas me déplacer rapidement? J'aime. D'accord. J'en ai presque terminé. Ok, bon c'est ça en fait, c'est ce que je suis en train de faire. Bon bah c'était naze, je vais pas vous le cacher, c'était c'était tout pourri ce que je viens de faire. Il y a ce mystère là qu'il faudra que je fasse. On va aller faire l'abbaye. Et en revenant on ira à Dublin pour récupérer les marchandises, essayer d'améliorer un peu notre renommée. Ça pourrait être sympa. Et là il faut, je crois que c'est pas de mort inutile. Mais ou alors faut que je me batte avec les points quoi. Ouais j'aurais pu techniquement. Mais c'est pas ouf quoi de se battre avec les points. Alors faut que je galope, je trace, je récupère mon truc. Allez on va faire ça. Go jouer sans armes. On va être tabassé à main nue. Maquette. Je crois que c'est dans l'autre sens mon ami. Et je vais mettre les compétences avant tout. Alors on était sur la voie du loup. Hop. Hop. Et maintenant, si on prend cette quête là, je crois que je suis effectivement à l'homme vert. Plus de Allez galop. Un galop. Bon, y a pas de mort inutile. Assassiner la cible. Bon, ça me plaît. C'est qu'il doit y avoir un moyen assez assez contourné de pouvoir le faire. Donc j'essaie de le faire proprement. Mais du coup, faut pas que j'accoste avec mon équipage, sinon c'est un peu la galère. Allons-y. Alors. Oh, Ivor. Quel enfer tu es. Alors, il faut juste que je tue Una Meko. Je l'ai pas encore repéré. C'est pas possible. Si on me voit, cela se passera mal. De ce côté là essayer de prendre de la hauteur. Je pense qu'elle est de ce côté là de l'île parce que c'est voilà. Ok.
va voir, c'est nul. Allez, viens là. Sois curieux, jeune homme. Peut-être que dans le foin. Peut-être. Restez sur ses gardes. Il est temps que je quitte cet endroit. Quel nasos. Peut-être que dans le foin, il y a un ragondin. Non, non, il n'y avait personne, c'était juste moi. Bon, ça, c'est fait. Voilà de quoi plaire au grand roi. Fort de guerre terminé. Ok, bah, direction Dublin. Et juste après, on ira au deuxième comptoir pour l'améliorer à fond. Il me manquait un ou deux trucs à améliorer, donc on va aller le faire. Ouais, voilà ça. Donc la brume ou l'espèce de truc de poison, c'est ça. Sous son influence, Eivor affrontera de redoutables adversaires. Ok, bon, à la prochaine fois, bah, on désingra tout le monde. Ça me va totalement. Ok. Waouh ! En plein saut. On est pionnier, mené à bien ces demandes royales pour recevoir des récompenses telles que matériaux, marchandises irlandaises et bien d'autres. Oui bon, après les demandes, bon... Je suis un boulet, hein, pas... Ok, renforcement. Parler à Flan à Nokfri. Il me semble que c'est à Nokfri qu'il faut que je fasse un truc. Non. Nokfri, c'est juste après. Ok, moi faut que j'aille là. On ira juste après le comptoir. On n'est pas trop mal là dans cet épisode, ça me plaît. Ça me plaît. Hop. Mon alter ego en matière. Nos marchands. Bon, bah j'ai le dernier morceau de ma... De ma cape, enfin de mon armure ibérique. Une nouvelle arme. Mais voilà moi qui voulais jouer avec une nouvelle arme. Un sexe ibérique parfait. En plus une dague. J'ai pas forcément beaucoup joué avec. Matériau de comptoir, nickel. On continue. Ça doit être le modèle égyptien. Voilà, nickel. On va avancer un peu dans le... Dans les trucs égyptiens. J'en ai plus qu'un. Ok, et après bah ça me demande des textes. J'en ai zéro, ok. Ah oui, d'accord, j'ai tout zéro sauf sauf les denrées délicates. Ok. Ah. Renommé niveau 3. Contrat débloqué russe. Ça c'est cool. Est-ce qu'il y a de la bière là-dedans? Prendre de la bière. Ah. Hasard. Nous connaissons désormais. Ah, laisse-moi deviner. Tu te demandes comment j'ai perdu mon œil? Cela témoigne d'un grand courage chez les gens du Nord. Pas dans mon cas. Je t'ai parlé de mon partenaire Constantinos. La trahison ne lui a pas suffi. En voulant me prendre tout, ces hommes n'ont pas retenu leur coup. Ils ont tué ma famille. J'ai survécu, mais... à quel prix? Pardon. Je ne voulais pas agiter les eaux d'un passé douloureux. Tu es mon ami. C'est aussi bien que tu le saches. Que dirais-tu de faire... Les contrats avec Russe. Ça, c'est toujours le modèle égyptien. Armure russe. J'en ai un paquet à mettre. Et voilà. Très bien. Allons voir le forgeron. Mauvaise touche toujours. C'est... le forgeron.
T'as pas mal de trucs à m'améliorer. Comment va? Je peux t'aider? Bah écoute, oui. Alors, j'ai pas du tout de... de matériel dans de cette... Akabi. Et j'ai ma nouvelle dague. Bon, Excalibur, c'est le sang de la veine, mais... le sexe ibérique. Bon, forcément, hein, je perds un petit peu la moitié de mes dégâts, mais... j'ai dit que je joue avec, je m'y tiens. Et après... la cape. Non, mais la cape, ça doit être pareil. Ma cape ibérique. Ouais. Ouais, j'ai pas du tout de matériel de ce truc-là. Après, je peux en acheter, techniquement. Donc, je vais peut-être le faire. Parce que toute mon armure, sinon, elle va être bas de gamme. Non, non. Je vais l'en acheter. Le marchand est juste à côté. Pas faire le tour 15 fois cette fois. Hello, you. Bonjour. Bonjour à toi. Si tu en désires, j'en ai. Ah oui, mais le prix en fait. Ils vont... cela pourra m'être utile. La pauvreté du loulou, quoi. Bon. Je connais mal ce genre d'article. Bah ouais, je vois ça. Bon bah... on va mettre la cape, hein, mais... on va avoir un style... En tout cas, l'armure, je trouve assez jolie. On va mettre en ibérique à fond. On va essayer de l'améliorer quand même pour pas, pas trop se faire dézinguer. Je vais me battre avec une dague. Je vais voir la portée d'un nourrisson. Putain, d'ailleurs, l'armure russe. Bon, la façon d'attaque en cas d'encerclement pour au moins 3 ennemis. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Oh, par contre, ça me plaît, ça. Le carco à fond, c'est parfait. Bon, et bien voilà. Bon, ben, le déguisement, par contre, on peut l'enlever, Yvan. Cette tête, toi. Ah, c'est pas l'armure de Thor, hein. Ok, on va aller checker ça, et d'abord, je vais passer là. Bon, ça avance bien, je trouve que ça avance très très bien, là. Pas assez d'argent, merci à toi. La pauvreté. Bah, vend des trucs. Ouais. Ok. Pas de sous. Terrible. Alors, j'ai ça amélioré. Moi j'en ai 220, j'en ai 615. Ouais, parfait. Je vais pouvoir améliorer à fond ce comptoir là. Ça va me permettre d'accélérer la production. Et il m'en manque un... là. L'entrepôt. Et voilà. Un de plus à fond. Et lui, c'était les livres. Bon, c'est nickel parce que j'en ai besoin assez souvent. Et le troisième est là, et il manque plus qu'un. Et lui, il manque combien? Deux. Bon, je vais faire ça, je vais envoyer la Nocfree, et pour finir l'épisode, comme d'habitude, dans un compteur marchand, parce que maintenant vous avez vu qu'on finisse là-dedans, on va rester là-dessus. Allez. Oh, j'ai le lynx. Mais attends-moi! Quel enfer! Bon, par contre, c'est un lynx qui fait des bruits de sabots de chevaux. Hein. Donc bon. Une amélioration, mais... ce n'est que du visuel. Bon, faut que j'aille en plein milieu des marées. Ça me fait plaisir. J'adore ça. On n'est pas très loin. Ça devrait le faire. Je
Je vais me faire choper par des... par des druides. À tous les coups. C'est pas méga rapide dans ces marées. Hein. Faut pas vous le cacher. Qu'est-ce que ça va être? C'est un truc encore avec des poissons. Ça va pas le faire. Ok, on arrive. Oh non, c'est un... c'est une épreuve encore? Ouais, ça me paraît être une épreuve. Parfait. Bon, par contre, la dague. Bon, bah, c'est un test pour la dague, hein. Regardez l'esprit. On va voir ce que ça va donner. Ok. Bon, c'est preuve de ma part. Ouais, bon, tue un ours avec une dague. Et vous? C'est quoi votre journée? En soi, la dague est bien. Elle est assez rapide et tout. Mais par contre, la portée, ça va avoir un problème en fait. Parce que c'est trop compliqué quoi. Quasiment toutes les armes du jeu, c'est... bon, en soi, vivement qu'on débloque l'armure égyptienne au complet. Pour avoir une arme un peu plus décente quoi. Ça me met un peu de challenge. C'est pas mal, j'aime bien ça. Bon alors Flan, il y a un petit pigeonnier d'ailleurs là. Je sais pas si je dois aller à chaque fois voir le pigeonnier pour avoir des nouvelles quêtes. On va y passer, on va être juste à côté. Et voir si c'est aussi à durer dans le temps. Ou si c'est, on peut le faire quand on veut. Plusieurs quêtes acceptées, évidemment. Ah oui, mais c'est là où j'ai galéré à trouver un truc. Nous allons partir. La dernière pièce est arrivée. C'est moi la pièce? Bienvenue, Eivor. Seigneur, cela ressemble à un campement de guerriers du Nord. Ils ont l'air très robustes. C'est le fruit de tes efforts, Eivor. Les rois que tu as aidés m'ont envoyé des hommes, entre autres. Tu as mes remerciements. Remercie-moi plus tard. La bataille s'annonce. C'est vrai. Ton cousin t'attend dans la tente de commandement. Je vais m'y rendre pour préparer notre prochaine action. Ok. On est potes avec l'armée du Sud. Ok, je vais pas faire la quête principale tout de suite, on va aller faire continuer nos quêtes secondaires comme on avait dit. Et bah, je vais peut-être aller à celui-là, non on a dit celui-là. Bon de toute façon, on va faire celui-là, et dans tous les cas, celui-là on le fera en dernier. Je ferai celui-là, celui-là, et puis on reviendra sur celui-là. Un petit épisode encore un peu long, mais je pense que c'est mieux, ça. On reste dans le bain comme ça pendant 50-55 minutes, quasiment une heure. Ouais, j'étais bon en maths quand j'étais petit. Ouais, t'attirer attention dans les zones, portez votre cap. Ouais, ça marche. J'y penserai la prochaine fois. Hein. Bon bah c'est un style hein, cette armure. Avec ma petite dague là. Là. Hop là. Ok. Athlona 100%. Je vais faire celui-là. Je pense que c'est le même camp que tout à l'heure. Alors j'espère qu'ils sont pas tués ou quoi. Parce que avec ma petite dague, ça va être la galère. Ça va être la giga galère.
Et si je peux récupérer un peu de matériel militaire, enfin de matériel, de provisions, on finira dans le quatrième et dernier comptoir marchand. Techniquement, je vais activer cette quête là. Ne vous faites pas détecter, ne subissez aucun dégât. Ok, c'est la même en fait. Mais alors, pas se faire détecter dans un truc où il y a que des gens légendaires, c'est quand même pas la meilleure solution. Hein. Vengeance royale. Ah, faut nettoyer le campement sans se faire détecter. Ok. Personne à l'entrée du camp. On m'attaquera à vue par ici. Y'a un mec là. Non? Non mais ça va! Mais comment tu m'as vu? C'est quoi? Ah, j'ai pas compris. Hein. Alors là... Ok, ça reste quand même assez fort. Oh non! Hop là! Toi, tu vas plus jamais procréer. Putain, mais je me suis fait attaquer, quoi. Il a même pas vu, lui. Il a pas entendu que tout le monde s'est fait buter dans le campement. Bon, en soi, j'aurais pu le réussir. Celui-là, en vrai, là, j'ai juste été giga naze. Voilà. Ceci devrait avancer. Bon, c'est quoi ces deux mondes, là? Non, mais tu subis aucun dégât et tu fais pas repérer. Bon, tu peux pas te faire repérer, je peux comprendre. Alors, subir aucun dégât... Ils s'en foutent quoi, techniquement. C'est quand même assez spécial comme demande. On traverse la brume irlandaise. Entend toujours au beau fixe. Ok, ok. Là c'est un monastère en fait. Il y aura un problème. Ne subissez aucun dégât. Par contre je peux courir. Et je peux tuer. Juste pas que je me fasse attraper. Il faut que je retrouve où sont les joyaux. Ok. Il y a un mec juste là. Non, tu m'as pas vu. C'est un lynx sauvage avec un mec dessus. C'est rien. Prendre de la hauteur. Pas de ce côté. Ça doit être du côté de la grosse abbaye. On va aller voir ça. Dans l'abbaye. Ok, dans l'abbaye. Si j'assume le mec à la porte, techniquement, je peux les récupérer sans trop de problèmes, je pense. Est-ce qu'il est tout seul? Ah ouais, non, en fait, non. Et tu m'as dit que les joyaux étaient... Ouais, tu m'as rien dit, hein, mais... Bah... Ah. Non, mais... Non! Oh, faut juste courir.
c'est bon là, il me court encore après là. Le roi de la glissade. Voilà. Une de réussie. C'est bien, non? Oh, l'efficacité. La renommée de clan, ça croit. Bon, par contre, la renommée, c'est cool. Et tuer les cibles. C'est quoi celle-là? On va la faire, mais de manière efficace. Ouais, je me suis TP là parce que ça me paraissait plus court. Mais je suis pas sûr de mon coup là du coup. Je ne suis pas sûr de moi. Je sais même pas si j'ai assez pour améliorer le comptoir à fond. Ah non. Parce qu'il me semble qu'il va manquer un. Il y a un truc à faire encore. Celui-là, j'ai 55, il faut 200. Comme ça au moins. On est sûr de pas pouvoir le faire. Ok. Allez, Lance. Ensuite, d'aller par la route. C'est possible. On va aller d'autant plus vite. Mètres. Ok. Je crois qu'il y avait une route. Échec. On coupe à travers. Hein. Voilà, faut que je tue les cibles. Pas de mort inutile. Et sans me faire détecter. Ça pue, hein. On voyait le talent du joueur français. On se dit pas que ça va être fabuleux. Apparemment, ils sont dans le coin. Guide-moi, Sinin. What? Sans mort inutile. Ouais. Cet endroit est très bien gardé. Je sais pas combien j'ai de cibles à tuer en plus. Ça fait une. Va, c'est né. Et les cibles, c'est quoi, il y en a deux? Faut limite que je ressorte, que je fasse le tour en flemme. On va essayer de passer en zizou là. Non mais je suis caché. Dame, hein. Et j'ai un mec à tuer. Ah, il est là. Suivez mon signal. Allez. Barrez-vous. Et où la porte? Bon, je passe par là, hein. Alors oui, alors pour que je le... Oh, quel enfer. Bon, je suis assez loin, là. Oh, ils m'en veulent, en fait, vraiment, là. Voilà. Ils sont tous à l'entrée, du coup. Ça pourrait être facile, cette histoire-là. Barrez-vous! Et rentrer au bercail. Je me suis mis dans la mouise tout seul. Hein. Alors lui, il est énervé.
Je suis jamais arrivé, hein. Allez, pour une fois, je veux tuer personne. Oh, oh, c'est beau ça. Ça, c'est ce qu'on aime, ça. Non, mais non. Oh, je me suis fait peur. Elle finit dans la pierre, ce. Elle a de la force, le collègue, par contre. Allez, c'est bon, je me casse. Encore une? Non, c'est une blague. Alors, tu vas me dire que j'ai pas tué tout le monde, là? Aide-moi. Oh. Deviens mes yeux. C'est pas possible, ça s'éternise. Ouais, du coup, j'ai vidé le camp parce qu'ils sont tous barrés de mon côté. Apparemment, par ici, il y a un autre collègue. Il faut que je zigouille. Ok. Tu es vu. Je peux pas passer par en haut, là. Si je passe par en haut... Ouais. Je pense que c'est la meilleure solution. Hop. On va grimper là. Pour grimper, il faut que je pète le... Allez, allez, va voir, grimpe. C'est un petit coffre. C'est gratos, je prends. Alors ça, c'est coup dur. Comment je vais faire? Je fasse le tour. On va me dire qu'il n'y a pas une entrée. Ah bah là. Hop. Tac. Bon, il est où? J'ai rien pour me cacher. Ils sont en panique là. Et ils font quoi là? Ils font un hommage à son cadavre? Allez, bougez! Qui s'en va, rien à foutre. Ah, lui c'était pas un de mes potes. Bon, les deux par contre, là c'était un membre de ma famille ou... Allez. C'est incroyable. Oh, il y a un mec au-dessus en plus. C'est beau, hein, j'ai quasiment pas fait de mort inutile. Et là, il y a juste deux mecs qui m'empêchent de jouer en fait. Troisième qui bouge. Non, tu m'as pas vu. Voilà. Tu m'as pas vu, c'est bien. Allez, je suis derrière un arbre, tu peux pas me voir. Quoi reste à filer du seul trône? La sueur du combat. Si, si, je me casserai, t'inquiète pas. Allez, c'est ciao. C'est ciao les bolos. Voilà, galère cette mission. Mais je suis presque anonyme, t'inquiète. C'est moi juste 200 mètres. Ah, oh, c'est bon là, non?
quand même. Voilà qui est fait. Putain, mais t'es compliqué cette mission aussi là. Ah, par contre, je vais pas pouvoir me TP direct. Go aller à Drummish. Hein. Bon, allez. On se rend à Knock Free. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Qui est déjà, ma foi, très sympathique. On a bien avancé. Et faut absolument que je pêche pour la prochaine épisode. Que je m'en occupe de ça. Et il me faut 5 questions urgentes, je crois. Improbable. 60 et 55, non, c'est passé. Allez, go. En direction de Knock Free. On va se mettre sur les hauteurs. Avoir un point de vue bien sympa. C'était vraiment pas loin pour le coup, c'est cool. Il faudra que j'aille voir le prochain point d'observation aussi, parce que... Ouais, je sais qu'il y a une route, mais... le point d'observation, j'ai vu qu'il était pas très loin. Et c'est pour l'autre zone, en fait. Je pense que c'est l'Ulster, du coup. Je sais pas si on va attaquer directement l'Ulster ou pas. Ouais, bah, eh bien, les amis, c'est à côté de la tente du commandant. Qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Épisode 6 bien fourni. On attaquera l'épisode 7 par la quête principale. Et puis bah, la quête principale à fond. Parce qu'on a quand même fait pas mal de quêtes annexes dans celui-là. Donc on va pas faire que ça. J'aimerais bien avancer vraiment sur l'histoire principale. En tout cas, je vous dis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et nous, on se retrouve très très vite. Ciao tout le monde.